Les maladies zoonotiques endémiques ou émergentes représentent une menace réelle pour la santé humaine, animale et environnementale. En effet, 6 maladies infectieuses sur 10 chez l'homme sont propagées par les animaux. C'est donc un front commun contre les zoonoses, à savoir la grippe aviaire, les fièvres hémorragiques Lassa, Ebola, la rage, le ver de Guinée, la peste, pour ne citer que celle-là. Les maladies zoonotiques sont des maladies qui sont communes à l'homme et aux animaux, qui sont transmises de l'animal à l'homme et vice-versa dans certains cas. Donc ça constitue une menace pour la population et pour les animaux. C'est pour cela qu'il faut prioriser les maladies zoonotiques pour savoir lesquelles sont prépondérantes pour pouvoir mener des actions de surveillance et afin d'intervenir de manière prompte en cas de survenue de ces maladies au sein de la population. Pour y faire face, un atelier de 3 jours a mobilisé les acteurs de la santé animale, humaine et environnementale, ainsi que d'autres partenaires dans une approche One Health. Ce processus multisectoriel vise à prioriser les maladies zoonotiques les plus inquiétantes pour notre pays. Depuis pratiquement un an, les organisations internationales telles que l'OMS, l'OIE, la FAO et le site ici à Atlanta appuient le Bénin pour conduire le processus de prévention des maladies zoonotiques. Et ces maladies zoonotiques sont vraiment des maladies qui sont potentielles épidémiques et pandémiques, qui posent beaucoup de problèmes. Et une équipe initiale de planification a été mise en place et a pu identifier avec les listes des maladies à déclaration obligatoire dans le pays et la revue documentaire une 30aine de maladies qui sont classées globalement en 3 catégories. Il y a des maladies bactériennes, il y a des maladies virales et des maladies parasitaires. Donc c'est sur cette liste, sur la base de cette liste initiale que le travail va se faire pendant l'atelier. Et c'est une liste qui est mise à la disposition des participants pour que, au cas où certains voudraient compléter, qu'ils puissent compléter pour que nous ayons une liste consensuelle sur la base de laquelle le travail va se faire. Et ça va nous conduire à identifier, après les 3 jours d'atelier, 5 maladies zoonotiques prioritaires qui vont maintenant alimenter le processus de planification pour le contrôle et la réponse appropriée face à ces maladies qui constituent des menaces de santé publique pour tous les pays. Par le processus Une seule santé, les différentes parties prenantes veulent élaborer de nouvelles perspectives pour gérer les zoonoses prioritaires en collaboration avec les partenaires techniques. La problématique sanitaire à l'interface homme-animal-environnement constitue une préoccupation à l'échelle internationale. Les zoonoses ainsi que les maladies d'origine alimentaire et la résistance aux antimicrobiens continuent d'avoir des impacts majeurs sur la santé, les moyens d'existence, l'environnement et l'économie. La majorité, environ 70%, des pathogènes émergents, réémergents ou endémiques affectant la santé humaine sont d'origine zoonotique. Les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et du cadre de vie partage ainsi la responsabilité d'adopter une approche intégrée de la santé face aux risques sanitaires. Le critère qui a suscité beaucoup plus d'attention, c'est le critère environnemental qu'on n'avait pas retenu au niveau des autres pays. Parce que les experts qui sont venus sont des experts qui ont déjà fait ça un peu partout, mais ce critère n'avait pas fait l'objet de priorisation. Donc on a dû identifier, compléter avec ce critère parce que nous sommes dans l'approche One Health, où les 3 ministères sectoriels, à savoir l'agriculture, santé animale, santé environnementale à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable et le ministère de la santé humaine, ministère de la santé, tel que ça se trouve dans notre dénomination,
et la direction de l'élevage, j'avais dit tout à l'heure, à travers le MAEP, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La protection de l'homme, des animaux, est un enjeu principal au cœur de cet atelier organisé par le REDICE, le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies, et accompagné par le SECNLSTP, le secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Pour y arriver, la partie nationale s'est engagée dans l'appropriation du processus. Au départ, le processus, la compréhension autour du processus de priorisation n'était pas très cernée par la partie nationale. Mais, dans l'appropriation, nous avions compris que le processus qui doit conduire les travaux ne peut être qu'autour du One Health que votre institution incarne. C'est pourquoi le début du processus a concerné aussi bien les acteurs de la santé humaine, de la santé environnementale, de la santé animale, mais aussi d'autres secteurs ou d'autres partenaires pertinents comme l'université et d'autres que le maître de cérémonie a cité tout à l'heure. Toute la revue documentaire, la préparation du présent atelier, toutes ces tâches ont été effectuées par le corps groupe, contrairement aux autres pays qui ont recruté des consultants pour le faire. Et la mise en place de cette équipe nationale de planification a été un aspect très important pour vous. Je vous demande en fait de reconnaître cela pour le SECNLSTP qui a mis un accent important sur la mise en place de cette équipe nationale de planification. Un atelier qui permet d'identifier de façon consensuelle les maladies zoonotiques prioritaires. Le présent processus de priorisation des zoonoses au Bénin constitue une étape supplémentaire pour renforcer la collaboration intersectorielle dans le cadre du contrôle des maladies zoonotiques qui constitue 75% des pathologies liées aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Ainsi, je vous prie sincèrement d'accepter toute ma gratitude pour tous ici présents, ainsi que les institutions qui se sont impliquées activement dans la conduite de ce processus depuis l'année dernière. Je voudrais, pour ne pas oublier, l'OMS, la FAO, l'OIO, le CDC Atlanta et les parties prenantes nationales qui l'ont soutenu. Après 3 jours d'échanges, de travaux intenses en groupe de travail, voici la liste des maladies zoonotiques les plus préoccupantes au Bénin et acceptées par tous les acteurs. Elles sont 6 au total. Les maladies priorisées que nous avons pu faire sortir à partir des 3 jours de travaux, nous avons d'abord la grippe zoonotique, qui est ce qu'on appelle souvent grippe aviaire, qui menace les volailles, mais qui est transmissible aux hommes. Ensuite, nous avons en deuxième position la rage, qui est une maladie qui n'est pas une maladie banale. Quand elle survient chez un individu, c'est la mort qui survient. Donc, par conséquent, il faut pouvoir surveiller cette maladie et éviter les décès humains dus à cette maladie. En troisième position, nous avons les maladies, les fièvres hémorragiques virales. Et quand on parle de fièvres hémorragiques virales, c'est la Lassa, Ebola, et la fièvre de la vallée du Rift, etc. C'est des maladies aussi qui sont des maladies transfrontalières qui nous menacent, qui nous guettent, pour lesquelles il faut pouvoir avoir un plan de surveillance et pouvoir avoir un regard bienveillant sur ces maladies pour qu'elles n'interviennent pas. Autre maladie qu'on a pu aussi répertorier, c'est le charbon bactéridien, qui est une maladie mortelle qui, de l'animal à l'homme, crée beaucoup de dégâts et se manifeste par des plaies qui n'arrivent pas à se cicatriser ou soit des endroits où ça défigure la personne, ainsi de suite. Donc c'est une maladie invalidante et à la limite aussi ça va au décès. Donc c'est une maladie aussi qui est beaucoup plus
concentrer sur une portion du pays, mais qu'il faut éviter parce que quand, tant qu'on ne lutte pas pour ça, ça peut encore se répandre dans d'autres zones. Ensuite, nous avons l'autre maladie qu'on a qualifiée de syndrome respiratoire chronique. Et dans ce syndrome respiratoire chronique, on a mis la COVID, qui est pratiquement une pandémie. Donc, c'est une préoccupation déjà pour tout le monde qu'on ne peut pas laisser pour l'instant. Et enfin, nous avons la trypanosomose qui a été retenue, qui est une maladie commune à l'homme et aux animaux. Et c'est ça que souvent, quand ça chez l'homme, on dit maladie du sommeil. Et ça, vous voyez. Mais c'est en voie d'éradication, mais il faut toujours prendre toutes les dispositions pour que ça ne réapparaît pas. Ces maladies que nous venons de citer sont surveillées et les interventions sont dans l'approche une seule santé. Donc, il y a le secteur animal, le secteur humain et les gens de l'environnement qui doivent toujours collaborer dans ce sens pour qu'on puisse éliminer ces maladies de l'environnement qui est le nôtre, celui du Bénin. Cet atelier a connu l'assistance du niveau régional, de la FAO, de l'OIE et de l'OMS. Plusieurs recommandations ont été adoptées. Il s'agira pour les grandes recommandations qui ont été identifiées, c'est de faire un plan d'action pour pouvoir mettre en œuvre et surveiller de façon efficace et efficiente ces différentes maladies. On doit quand même prendre un acte pour pouvoir formaliser les différentes maladies zoonotiques dans l'approche One Health et le CNRSTP à travers le projet REDICE pourrait nous appuyer. L'exécution de cet atelier a été motivée surtout par l'auto-évaluation de 2020 où les différentes parties prenantes ont recommandé que cet atelier puisse permettre à notre pays d'avoir les différentes zoonoses prioritaires. C'est l'un des indicateurs du projet REDICE et du RSI. Le présent atelier qu'on a organisé permettra vraiment à notre pays d'améliorer le score, son score par rapport à cet indicateur du RSI. Et justement, le projet REDICE a accompagné les différents secteurs à mettre en œuvre cette recommandation de l'auto-évaluation. Donc c'est un rôle de fédérateur et c'est un rôle de mobilisation des parties prenantes et c'est un rôle d'appui aussi bien technique que financier. Des certificats de participation ont été décernés aux participants marquant ainsi la fin de cet atelier au profit des acteurs de la santé animale, humaine et environnementale pour la priorisation des maladies zoonotiques au Bénin.